ومعلوم. وأما العرب المستعرب فأصل جدهم الأعلى وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام من بلاد العراق من بلدة يقال له أرى على الشاطئ الغربي من نهر الفرات بالقرب من الكوفة. وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة إبراهيم عليه السلام وعن الأحوال الدينية والاجتماعية في تلك البلاد. الحمد لله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde. Nous demandons que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont leur suivre dans l'accomplissement du bien et la piété jusqu'au jour de la rétribution. Alors, incha'Allah ta'ala, pendant le cours passé, nous étions en train de parler des différents types ou catégories d'Arabes qui ont existé. Alors l'auteur du livre va nous dire que, en effet, nous avons eu dans l'histoire trois catégories d'Arabes. Il y a des Arabes qu'on va les appeler « al-Arab al-Ba'ida », c'est-à-dire les Arabes disparus. Ces Arabes-là, on ne sait rien au sujet de leur descendance aujourd'hui, tels que le peuple de Ad et le peuple de Thamoud, le frère s'y rappelle. Et nous avons la deuxième catégorie d'Arabes qu'on appelle « al-Arab al-Ariba », c'est-à-dire les Arabes de souche. Et ces Arabes-là, on dit leur berceau se trouve au Yémen. Donc, un Arabe original, un Arabe de souche, ce n'est pas un Égyptien, ce n'est pas un Saoudien, ce n'est pas un Marocain, ce n'est pas un Jordanien, mais les Arabes de souche, les Arabes originaux, ce sont les Arabes du Yémen. Et la troisième catégorie d'Arabes que l'auteur du livre va, incha'Allah ta'ala, nous dévoiler leur nom, c'est « al-Arabul Musta'araba », les Arabes d'adoption. C'est-à-dire eux, en effet, à l'origine, ils ne sont pas Arabes. Mais vu leur voisinage avec les Arabes qui ont influencé sur eux, alors eux, ils se sont transformés et sont devenus aujourd'hui des quoi? Des Arabes. Et on a donné plusieurs exemples à ce sujet. Par exemple, prenons un exemple terre à terre chez nous en Afrique de l'Ouest. Les noms, par exemple, Doucouré. Hein? Lorsqu'on dit un nom Doucouré, généralement, le Doucouré, hein? L'idée va aller directement sur les quoi? Sur les Sarakoulés, n'est-ce pas? Voilà. Mais vous avez des Doucouré aujourd'hui, Bambara. Il y a des noms de famille tels que Koulibaly. Koulibaly, oui. Ça, c'est la base même des Bambara. Mais aujourd'hui, vous allez trouver des Koulibaly qui sont peuls, n'est-ce pas? Ça existe, non? Voilà. Donc, eux, on peut dire que ce sont des peuls ou des Bambara d'adoption. Et c'est de cette troisième catégorie, c'est-à-dire les Arabes d'adoption, que vient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car en effet, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'origine des Arabes, c'est ce que l'auteur du livre va nous dire. Il dit « Wa amma al-arabu al-musta'araba fa aslu jaddihim al-a'la wa huwa sayyiduna Ibrahim alayhi salam ». Il dit les Arabes d'adoption, ces Arabes-là, leur
grand-père d'origine, des Arabes d'adoption. Les Arabes d'adoption sont venus de la descendance de qui? De Ibrahim alayhi salam. Donc tous les Arabes, n'est-ce pas, d'adoption qui sont restés à la Mecque et qui ont peuplé la ville de la Mecque et les villes qui sont aux alentours sont de la descendance de qui? De Ibrahim alayhi salam. Alors l'auteur du livre, il profite pour nous donner une petite histoire au sujet de qui? Au sujet de Ibrahim lui-même alayhi salam. Il nous dit que en effet, Ibrahim alayhi salam était installé en Irak. Ibrahim, il était où ça? En Irak. C'est là-bas où se trouvaient son père et sa famille. Il se trouvait plus précisément dans une ville qu'on appelle Ara. C'est dans cette ville-là que Ibrahim alayhi salam a grandi. Et c'est dans cette ville que Ibrahim alayhi salam était en quête et à la recherche de la vérité. Ibrahim alayhi salam, en voyant ce que son père, sa famille, son peuple sont en train d'adorer, Ibrahim alayhi salam a vu que, en effet, ceux-là ne sont pas les vrais dieux. Un jour, Ibrahim alayhi salam, comme Allah nous dit dans le Coran, fi surati shu'ara, watlu alayhim naba'a Ibrahim, idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. Un jour Ibrahim alayhi salam il va se lever, il va dire à son papa, il dit mais papa, qui sont vos dieux en réalité? Vos dieux sont qui? Et son père va lui répondre, nos dieux, ce sont ces idoles là que tu vois que nous sommes en train d'adorer. C'est ces idoles là auprès de que nous campons, que nous restons et que nous leur demandons de l'aide. Alors Ibrahim alayhi salam va poser une question à son père en disant qala hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Il dit mais papa, moi je vois quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que c'est Dieu là? Parce que en effet c'est Dieu là. C'était des planches, des pierres, que eux-mêmes ils prenaient et ils sculptaient, et après ils désignaient, bon, désormais c'est lui-là le dieu de quoi? De la richesse, c'est lui qui donne la richesse. Si on a besoin de la richesse, c'est vers lui-là qu'on doit demander. Ou bien, l'autre divinité qui est de l'autre côté, que lui-même il a sculpté, il a fabriqué, il dira qu'en effet ce dieu, c'est le dieu de la fertilité. Celui qui veut avoir de l'enfant et tout ça, c'est vers ce dieu-là qu'il doit s'adresser. Ils fabriquent eux-mêmes un autre dieu et ils disent que ce dieu-là, c'est lui qui s'occupe des voyages. Lorsque quelqu'un veut voyager ou faire un déplacement, c'est vers ce dieu-là que tu dois aller présenter, n'est-ce pas, ton problème, ton souci, et lui demander son assistance et son accompagnement. Alors, Ibrahim alayhi salam voyait que cela n'était pas normal. Parce que lui, il voyait que ces dieux-là, ce sont des objets. Ce n'est même pas, n'est-ce pas, des créatures qui peuvent même entendre. Mais ce sont des objets qui sont considérés comme des objets qui rentrent dans les métaux. C'est des métaux, c'est des jamaats, c'est des choses qui ne peuvent pas bouger. Alors Ibrahim alayhi salam va dire à son père, hal yasma'unakum istad'una. Il dit, est-ce que ces dieux-là, ils vous écoutent? Et regardez ce que, c'est-à-dire la phrase qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employée ici, dans ce verset. Allah n'a pas dit hal yastami'unakum, mais il a dit hal yasma'unakum. Parce que au fait, dans la langue arabe, nous avons une différence entre sami'a et istama'a. Lorsque tu entends chez les Arabes, ils disent sami'a, tu as écouté quelque chose sans pouvoir prêter attention à cette chose. Par exemple, ceux qui sont en train d'étudier en haut. Il y a des gens qui sont en train d'étudier en haut, n'est-ce pas? On entend leur voix, non?
Mais est-ce que nous sommes en train de leur écouter? Voilà, on n'est pas en train de leur écouter. Donc, mais on entend leur voix. Ça, on appelle ça Samia. Mais lorsque tu entends Istama'a, Istama'a veut dire il a prêté oreille. Il a prêté attention. Il est en train d'écouter la parole qui est en train d'être dite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, emploie le terme ici, hal yasma'unakum. C'est-à-dire, même le bruit que vous faites là, à côté de ces idoles-là, est-ce que ces bruits-là, ces idoles-là, ils entendent? Aw yanfa'unakum, aw yadurun. Ou bien en réalité, il dit, papa, dis-moi la vérité. Ces idoles-là peuvent vous apporter un bien ou vous mettre à l'abri d'un mal? Alors son papa va lui répondre, qalu bal wajadana aba'ana kadhalika yaf'alun. Allahu akbar. Le suivisme. Ils disent, ah, Ibrahim, tais-toi. Cette parole-là est plus grande que toi. Nous sommes en train de faire ça parce que toi, ton père, qui est moi, mon père et mon grand-père, nous avons trouvé nos parents en train de faire et nous sommes en train d'emboîter et suivre, n'est-ce pas, ce que nos parents faisaient et ce que nos parents adoraient. Alors, lorsque Ibrahim va voir ça, il va dire non, 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 ça, ce n'est pas le Dieu. Ceux-là, ce ne sont pas des dieux. Alors, Ibrahim, alayhi salam, il va rester à la recherche du vrai Dieu. Il va voir d'abord les étoiles. Il va dire, les étoiles. Lorsqu'il voit l'étoile, il dit non, ça c'est Dieu. Après, il voit la lune qui sort et la lune est plus grande que l'étoile. Il dit non, 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 non. La lune, elle est plus grande que l'étoile. Alors, c'est la lune qui est Dieu et l'étoile n'est pas Dieu. Après, il voit le soleil qui est plus grand que la lune. Il dit, ok, j'ai trouvé le vrai Dieu qui est qui? Qui est le soleil. Mais lorsque le soleil part la nuit, Ibrahim dit, ah, ça c'est quel Dieu? Souvent il est là, souvent il n'est pas là. Alors s'il n'est pas là, qui va veiller sur nous? Alors Ibrahim alayhi salam, dans ses recherches-là, alors subhanahu wa ta'ala va le guider et va lui envoyer Jibril alayhi salam pour le désigner et le choisir en tant que messager et prophète de Dieu, envoyé vers son père et le peuple de son père. Alors Ibrahim alayhi salam, il va appeler son peuple vers la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils vont refuser. Ils ne vont pas croire au message d'Ibrahim alayhi salam. Ils vont rejeter catégoriquement tout ce que Ibrahim va leur dire. Et Ibrahim alayhi salam va insister. Il va rester dans cette situation pour les appeler, mais sans succès. Seulement deux personnes vont croire au message d'Ibrahim alayhi salam. Son neveu, qui va être également choisi par Allah subhanahu wa ta'ala comme un prophète, à savoir Lout alayhi salam. Vous avez déjà entendu parler de Lout. Voilà. C'est le messager dont Allah subhanahu wa ta'ala a renversé la terre sur son peuple. Car qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Et leur travail, c'était quoi? C'était l'homosexualité. Au lieu de, n'est-ce pas, que les hommes se marient avec les hommes, afin les hommes se marient avec les femmes, mais les hommes se mariaient entre eux et les femmes se mariaient également entre elles. Alors, son neveu Lout alayhi salam va croire au message d'Ibrahim alayhi salam et son épouse et une femme qui deviendra plus tard l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, à savoir la mère d'Ishaq qu'on appelle Sarah. Alors l'auteur du livre va nous dire que Ibrahim alayhi salam, n'est-ce pas, dans sa da'wa, et lorsque sa da'wa a croisé le refus catégorique de son peuple, Ibrahim alayhi salam, n'est-ce pas, va se déplacer d'une cité à une autre cité. Il ne va pas se stabiliser dans un endroit. Ibrahim alayhi salam, il va aller tantôt à Cham, qui est la Syrie d'aujourd'hui. Souvent, Ibrahim alayhi salam se rendra en Palestine. Il va passer par l'Égypte.
Mais l'auteur du livre va nous expliquer une histoire, un événement qui s'est déroulé et comment est-ce que Ibrahim alayhi salam, sa descendance s'est retrouvée où ça? À la Mecque. Alors, c'est là où on veut en venir. Mais avant d'arriver là-bas, il faut connaître comment Ibrahim alayhi salam, de l'Irak à Cham, à Palestine et en Égypte, s'est retrouvé où ça? S'est retrouvé à la Mecque et que sa descendance, Ismaïl alayhi salam, s'est installée sur cette terre bénie. L'auteur du livre va nous dire que, en effet, Ibrahim alayhi salam, dans ses déplacements d'une cité à une autre cité, d'une ville à une autre ville, un jour, Ibrahim alayhi salam va arriver en Égypte. Il arrive en Égypte, et lorsqu'il arrive en Égypte, en ce moment, le roi de l'Égypte, parce que les Égyptiens, tous les rois, auparavant, tous les rois égyptiens étaient appelés Pharaon, Pharaon. Tous les rois égyptiens étaient appelés quoi? Pharaon. C'est comme en Éthiopie. Tous les rois de l'Éthiopie, on les appelait comment? Najashi. Khalas, on les appelait Najashi. Donc, les rois égyptiens également étaient appelés comment? Étaient appelés Pharaon. Et le Pharaon qui était à l'époque d'Ibrahim alayhi salam était un homme très pervers, était un homme très injuste, était un homme qui abusait des femmes d'autrui. Lui, il avait ses gardes qui sont là. À chaque fois lorsque des étrangers rentraient dans la ville, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à ses gardes de regarder s'il y a des belles femmes, des femmes jolies. Dès qu'il y a une femme qui est jolie, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend ta femme et si toi tu es le mari, il te tue. C'est comme ça lui il agissait avec les gens. Alors Ibrahim alayhi salam, avec son épouse Hajar, la seule femme qui a cru à son message et que Ibrahim l'a épousée plus tard, lorsqu'ils arrivent en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Directement, les soldats du Pharaon de l'époque de Ibrahim alayhi salam vont signaler au Pharaon que nous avons, n'est-ce pas, dans ce groupe qui vient d'arriver, une très belle femme, mais elle avec un homme. Alors le roi va leur interpeller. Lorsque on va leur interpeller et le roi va demander à Ibrahim alayhi salam, cette femme-là, elle est qui pour toi? Ibrahim alayhi salam va répondre au roi en disant, c'est ma sœur. Pendant que c'est quoi? C'est sa femme. Mais Ibrahim dira quoi? C'est qui? C'est ma sœur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous dire que, en effet, dans toute l'existence d'Ibrahim alayhi salam, Ibrahim n'a dit de contre-vérité que trois fois. Ibrahim, il a menti combien de fois dans toute sa vie? Trois fois. Et à cause de ces trois mensonges-là, le jour de Yawm al-Qiyama, le jour où les humains vont s'arrêter 50 000 années, Allah ne parle à personne. Tout le monde est là, tout le monde est inquiet. Tellement que les humains sont inquiets, les hommes souffrent, qu'on va chercher à négocier et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala que le jugement puisse commencer. Parce qu'on est fatigué. Alors on va aller voir, n'est-ce pas, les prophètes, les hommes de Dieu, les élus de Dieu, afin que ceux-là puissent intervenir pour que le jugement puisse commencer. On va aller chez Adam, chez Nour, jusqu'à arriver chez Ibrahim alayhi salam. Lorsque on arrive chez Ibrahim alayhi salam et on dit à Ibrahim, Ibrahim, on veut que tu puisses aller demander à Allah que le jugement puisse commencer maintenant. On souffre. Ceux qui vont aller dans le paradis vont aller dans le paradis. Ceux qui vont aller également dans le feu de l'enfer iront dans le feu de l'enfer. On souffre maintenant. Alors Ibrahim alayhi salam va dire non, non, non. Allah, je ne peux pas me présenter devant Dieu aujourd'hui. Je ne peux pas me présenter devant Dieu aujourd'hui. Je n'ai pas cette force. Je n'ai pas cette crédibilité. Pourquoi je ne peux pas me présenter devant Dieu? Parce que j'ai eu à mentir trois fois.
Allahu Akbar. Il a menti combien de fois? Trois fois. Toi, depuis ce matin, aujourd'hui, matin là seulement, jusqu'à 7 heures, tu as menti combien de fois? Toi-même, tu ne connais même pas le nombre de fois que tu as menti. Tellement tu mens comme tu respires. Tu mens et souvent tu mens avec, n'est-ce pas, le serment. C'est-à-dire tu jures avec dans les mensonges en même temps. Ça là, c'est comme, ça là, c'est combien? Wallahi billahi, moi-même, je l'ai acheté à 1000 francs. Est-ce que tu as besoin de jurer? Est-ce que tu as besoin de dire même le prix d'achat de ta marchandise? Tu n'es pas dans le besoin. Ce truc-là, c'est original. Wallahi l'azim. Ça, c'est l'original. Ça, c'est marque japonaise. Pendant que peut-être ça a été fabriqué seulement à Cotonou ici. Et lui-même, il essaie. Mais il jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ment comme il respire. Un jour, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit, ya Rasulallah, est-ce que le musulman peut voler? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, le musulman, le shaitan peut avoir le dessus sur lui, il va voler. On dit, est-ce que le musulman, il peut faire les zina, la fornication ou l'adultère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, le musulman, le shaitan peut avoir le dessus sur lui et il va tomber dans le péché de la fornication. On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le musulman peut tuer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui. Le musulman, le shaitan peut avoir le dessus sur lui, il va tuer. Mais on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le musulman peut mentir? Dis ce qui n'est pas la vérité. Est-ce que le musulman peut dire ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wallahi, le musulman, le croyant ne peut jamais mentir. Le croyant ne peut jamais mentir. Mais nous aujourd'hui, lorsqu'on cause, souvent même, lorsqu'on ne ment pas, c'est-à-dire, chez nous, le mensonge, maintenant, c'est quoi? C'est le sucre, quoi. C'est comme le sel dans la nourriture. Lorsqu'on prépare la nourriture, s'il n'y a pas le sel dedans, ce n'est pas goût. Ce n'est pas intéressant. Alors, lorsque nous causons et que nous n'amenons pas des faussetés, des mensonges dans nos causeries, chez nous, la causerie n'est plus intéressante. Ibrahim, alayhi salam, dit, j'ai menti trois fois. Alors, à cause de ces trois mensonges-là, je ne peux pas me mettre en face de Dieu et lui demander quelque chose. Allahu Akbar. Et quel a été le mensonge d'Ibrahim alayhi salam? Le prophète salam a dit, deux de ces mensonges-là ont été faits à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'une a été faite pour lui-même Ibrahim alayhi salam. Mais lorsque nous méditons sur ces mensonges-là, vous allez voir qu'en effet, ce n'est pas en réalité des mensonges. Mais c'est des paroles qui peuvent être expliquées. Le premier mensonge d'Ibrahim alayhi salam. On a dit lorsque Ibrahim a fait la da'wa à son peuple, qu'est-ce que son peuple a répondu? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont accepté ou bien ils ont refusé? Ils ont refusé. Ils n'ont pas accepté la da'wa d'Ibrahim. Alors Ibrahim voulait mettre, n'est-ce pas, en test. Il voulait ramener son peuple pour leur montrer qu'en réalité, ces dieux-là ne sont pas des vrais dieux avec la logique et avec leur propre raisonnement. Ils avaient l'habitude d'organiser une fête. Et lorsqu'ils organisaient cette fête-là, ils amenaient la nourriture, ils avaient une maison pour les idoles. Et ils mettaient la nourriture dans cette maison. Et qu'est-ce qu'ils faisaient plus tard? Ils sortaient de la ville. Ils laissaient la nourriture dans cette maison et tout le monde sort de la ville. Et le soir, ils reviennent. Ce jour-là, lorsqu'ils ont organisé cette festivité, Ibrahim alayhi salam a dit, c'est aujourd'hui, je vais mettre en exécution, n'est-ce pas, la stratégie que je vais employer pour leur convaincre que ces dieux-là ne sont pas des vrais dieux. On dit, Ibrahim, on y va, on sort de la ville. Ibrahim a dit, inni saqim. Ibrahim a dit quoi? Je suis malade. Ibrahim a dit, alayhi salam, je suis malade, je ne peux pas sortir aujourd'hui avec vous. Pendant que Ibrahim, alayhi salam, n'était pas quoi? Il n'était pas malade. Parce que pour agir, il fallait qu'il soit, où ça? Dans la ville. Lorsqu'ils sont sortis, Ibrahim, alayhi salam, est rentré dans la maison où se trouvent des idoles. Il a dit à ces idoles-là, c'est vous, on prétend que vous êtes des dieux, que vous... Vous avez le pouvoir de tout faire. Donc, la première chose que je vais vous demander,
c'est de manger d'abord la nourriture qu'on vous a donnée. Mangez cette nourriture. Qala ala ta'kulun. Hein? Ça, c'est un autre verset du Qissa d'Ibrahim a.s. avec les anges qui étaient venus leur rendre visite. Mais Ibrahim a.s., ici, il va demander à ses idoles-là de faire quoi? De manger. Et ces idoles-là ne vont pas bouger parce que ce sont des pierres, ce sont des bois et tout ça. Alors, Ibrahim a.s., qu'est-ce qu'il va faire en fin de compte? Il va prendre, n'est-ce pas, une hache et il va faire quoi? Et il va détruire. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجُعُونَ. Il a détruit tous les autres idoles. Parce que eux également, ils avaient des idoles. Et ces idoles-là, c'était par catégorie. Il y avait les grands, il y avait les moyens, il y avait les petits. Les petits et les moyens, il les a tous détruits et il a laissé seulement que quoi? Que le plus grand. Et il a pris la hache, il a mis entre les mains de qui? Du plus grand. Lorsque ils sont revenus dans la ville, ils rentrent dans la maison de leur idole, ils trouvent que tous leurs dieux ont été massacrés et détruits. Il dit, Man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina dhalimin. Qui a pu faire ça à nos dieux? Subhanallah. Regardez l'égarement de l'homme. Qui a pu faire ça à qui? À notre Dieu. Un Dieu que tu dis à nos dieux. C'est-à-dire un Dieu qui est censé te protéger toi, mais qui est incapable de se protéger lui-même jusqu'à on vient le tuer, on vient le détruire. Et toi, tu dis, qui a fait ça à nos dieux? Et ils disent, Innahu lamina zalimin. Ah, celui qui a fait ça à nos dieux. Vraiment, il a fait une injustice très grave, mais il va payer ça très cher. Et ils ont commencé à mener les enquêtes. Qui peut faire ça à nos dieux? Dans la ville, tout le monde était kafir, sauf qui? Sauf Ibrahim alayhi salam. Alors, directement, ils ont dit, قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ Ibrahim. Ils ont dit, ah, attention, il y a un jeune là, qui est dans la ville maintenant, qui est en train de saboter jour et nuit nos dieux, que ces dieux-là ne sont pas des vrais dieux, que mais il y a un autre dieu qui est le vrai dieu qui s'appelle Allah, sûrement, ça doit être lui. Il s'appelle également Ibrahim. Ils ont dit, appelez-le, on va lui demander, on va lui poser la question. Lorsque Ibrahim est arrivé, on a posé à Ibrahim, « A'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim ?» Ils ont dit, Ibrahim, c'est toi qui as fait ça à nos dieux. C'est toi qui as détruit nos dieux comme ça. Ibrahim répond en disant, Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim a dit, ah non, non, non. Ça là seulement, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Mais c'est le grand. Vous voyez le grand là, qui a la hache dans sa main là. C'est lui qui a détruit tous ces petits dieux là. Il dit, c'est lui qui les a tous tués. Moi, quand même, j'étais là à côté à la maison. J'ai entendu une discute dans la maison. Et lui, automatiquement, il s'est fâché. Il a commencé, il les a tous détruits. Si vous dites que je mens, face à l'ouhum. Demandez-les. Ils sont là, non? Il faut les demander. Ils vont vous répondre. Face à l'ouhum, in kanu yantiqoun. Ils ont dit, oh Ibrahim, mais comment on peut leur demander? Toi-même, tu sais que cela, ils ne peuvent pas parler. Ibrahim dit, ah, Allahu Akbar. Donc vous avez vu que vous n'êtes pas en train d'adorer des vrais dieux. Comment vous pouvez adorer des dieux qui ne peuvent même pas se répondre à plus forte, qui ne peuvent même pas répondre à plus forte ou se défendre? Alors, Uffin lakum walima ta'abuduna min dunillahi afala ta'akilun. Malheur à vous et tout ce que vous êtes en train d'adorer. Ne réfléchissez pas vous un peu. Réfléchissez un peu. Ceux-là ne sont pas des dieux. Oh, quand ils ont su ça, ils ont dit quoi? Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Ils ont dit la punition idéale pour Ibrahim. Qu'est-ce que vous devez le faire? Vous devez brûler, on doit brûler et tout le monde doit participer au châtiment d'Ibrahim parce que nous devons soutenir notre Dieu. Ils ont allumé un feu
On dit ce feu-là, les Moufassirou nous disent que ce feu-là, l'oiseau même ne pouvait pas traverser ce feu, tellement le feu était tellement gigantesque et grand. Mais lorsqu'ils ont pris Ibrahim, ils ont jeté dans le feu. Allah a dit quoi? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim fa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-asfalin. Alors subhanahu wa ta'ala a dit au feu d'être quoi? D'être paix et salut. Pour qui? Pour Ibrahim alayhi salam. Alors voici les deux mensonges d'Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il a dit je suis malade, et lorsqu'il a répondu à cela en disant ce n'est pas moi qui ai tapé ces idoles, qui ai détruit ces idoles, mais c'est plutôt le grand là qui a tapé les idoles. Voici les deux mensonges que Ibrahim a dit. Et ces mensonges là, est-ce qu'en réalité ce sont des mensonges? Non, ce n'est pas des mensonges. C'était dans le cadre de quoi? De la da'wah, pour convaincre ceux-là qu'ils sont en effet dans l'égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et le troisième mensonge d'Ibrahim, c'était lorsqu'il est arrivé maintenant en Égypte, avec sa femme Sarah. Il arrive avec sa femme Sarah, le roi demande à Ibrahim, celle-là elle est qui pour toi? Ibrahim sait que la loi qui est ici, dans cette ville-là, si tu dis c'est ma femme, on te tue et on garde ta femme. Alors qu'est-ce que Ibrahim va dire? Ibrahim va dire à ce roi, non. Il va dire, c'est ma sœur. Et en réalité également, est-ce que Sarah n'était pas la sœur d'Ibrahim? Hein? Elle est sa sœur. Elle est sa sœur en quoi? En islam, bien sûr. Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans sont les frères. Donc en réalité, c'est sa sœur également dans la foi. Alors le roi va dire, ok, comme c'est ta sœur, tu as la vie sauve. Toi, va pour toi. Hein? Il prend la femme d'Ibrahim, Sarah, et il s'isole avec elle dans sa maison, dans son palais. Et lorsque ce roi pervers va vouloir lever la main vers cette femme pieuse, alors subhanahu wa ta'ala fera que sa main se paralyse. Allahu Akbar. Lorsqu'il veut toucher la femme, sa main se paralyse. Il dit, ah! Il fait tout. Il perd totalement l'usage de sa main. Il dit, non, ça là, il y a quelque chose qui cloche. Cette femme-là ne doit pas être simple. Il demande à la femme, apparemment, tu as quelque chose. Mais demande à ton Dieu de me délivrer. S'il me délivre, je te libère. Sarah fait le doua et alors subhanahu wa ta'ala lui redonne l'usage de sa main. Mais l'être humain, souvent l'homme est têtu. Wallahi, l'homme est têtu. Hein? Dieu te montre tout. Dieu nous montre tout. Wallahi. Dieu nous montre les conséquences de nos péchés, de nos fautes. Tu fais le péché, toi-même tu vois la conséquence de ces péchés. Mais prochainement, tu vas aller refaire encore ces mêmes péchés. C'est ça l'être humain. Alors, le monsieur, lorsqu'il retrouve l'usage de sa main, il essaie encore de retoucher la femme. Allah fait encore qu'il va perdre pour la seconde fois l'usage de sa main. Il va dire à la femme, prie pour moi, si je retrouve l'usage de ma main, je te libère. La femme fait le doua, il retrouve l'usage de sa main et il retente pour la troisième fois. Alors, subhanahu wa ta'ala, lui arrache l'usage de sa main, lui paralyse. Le monsieur, il demande à Hajar, à Sarah, à Fouane, cette fois-ci, il dit, demande à Dieu de me délivrer. Et s'il me délivre, cette fois-ci, je te donne ma parole que je ne te rapprocherai plus. Sarah va faire le doua et alors, subhanahu wa ta'ala, va lui redonner l'usage de sa main et c'est pour la troisième fois qu'il va respecter sa parole en disant, tu es libre et je ne te libère pas seul. Parce que toi, tu n'es pas une personne simple. Il y a plusieurs femmes qui sont passées, je touche les femmes sans problème, mais toi, à trois reprises, et tous ces signes que j'ai vus me démontrent que tu n'es pas une personne simple, alors je te donne ma fille comme quoi? Comme servante. Allah. C'est ainsi que il a donné sa fille comme servante. Le cheikh va nous dire, il dit ici, وَعَرَفَ فِرْعَوْنَ مَا لِسَارَ مِنَ الصِّلَةِ الْقَوِيَّ بِاللَّهِ حَتَّى أَخْدَمَهَا إِبْنَتَهُ. Il dit, le Pharaon, il saura que, ah, cette femme-là, ce n'est pas une femme simple.
Cette femme-là, elle a un lien très fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, j'ai une fille, elle s'appelle Hajar. Cette fille est désormais ta servante. Va avec elle où tu veux, elle t'appartient. C'est comme ça que Ibrahim alayhi salam va retrouver sa femme Sarah. Et avec sa femme Sarah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voyager, ils vont quitter l'Égypte. Ibrahim alayhi salam avait été éprouvé par une épreuve. Il avait eu plus de 80 ans. Sa femme également, l'âge est beaucoup avancé. Ils ont tout fait, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne leur avait pas accordé quoi? Un enfant. Alors sa femme Sarah, elle, en voyant la servante Hajar qui est là, et qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle va dire à Ibrahim alayhi salam de prendre comme deuxième épouse qui? Sa servante qui était Sarah, qui était Hajar, afwan. Qui était Hajar. Alors, c'est ainsi que Ibrahim alayhi salam va prendre comme épouse qui? Comme deuxième épouse, Hajar, avec sa femme, Sarah. Voilà que, alhamdoulilah, après quelques temps, Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter la fertilité à qui? À Hajar, à la jeune fille qui était la servante, celle-là même qu'on a donnée à Sarah. Et l'être humain, souvent, on essaie de faire des efforts sur nous, mais l'être humain reste toujours faible. Sarah, qui elle-même, avec son agrément, avait donné Hajar comme épouse à qui? À Ibrahim, va commencer à faire des scènes de jalousie. Les problèmes vont commencer maintenant dans le foyer. Parce qu'elle se voit, c'est elle qui est la plus âgée, c'est elle qui est la première femme, elle n'a pas eu d'enfant, celle qui vient d'arriver, vient d'avoir de l'enfant. Vous voyez, Ibrahim voulait un enfant. Obligatoirement, Ibrahim s'intéresse, ou bien Ibrahim est de l'autre côté à chaque fois. Donc ça a commencé à amener des choses dans le cœur de qui? De Sarah. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va recommander à Ibrahim alayhi salam de faire déplacer sa deuxième épouse, à savoir qui? Hajar et son fils Ismaïl alayhi salam. Allah va lui demander de les déplacer et les amener ailleurs. C'est ainsi que Ibrahim alayhi salam va obéir à la recommandation de son Seigneur. Il va, n'est-ce pas, prendre sa femme, Hajar, et son fils Ismaïl, son unique fils, avec quelques, n'est-ce pas, graines de date et de l'eau qu'il avait, et ils vont monter sur le bourak. Le bourak, vous connaissez le bourak, hein? La créature qui a fait le voyage en nocturne avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont monter sur le bourak, destination où ça? Makkah. Donc, vous voyez, on revient, n'est-ce pas, sur l'origine. Comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont arrivés à la Mecque? Voilà l'origine qui est là. Donc, la maman du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si on veut bien voir, l'origine même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est où ça? C'est l'Afrique. Parce que Hajar, elle est quittée où ça? Elle est quittée en Égypte. L'Égypte est où ça? L'Égypte, c'est l'Afrique. Donc, c'est celle Hajar-là et son fils, Ismaïl, que Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Ibrahim de venir leur installer où ça? À la Mecque. En ce moment, à la Mecque, il n'y avait rien. Rien du tout. Pas humain, rien. C'était le désert total. Lorsque Ibrahim arrive là-bas, il dépose Hajar avec son fils Ismaïl et Ibrahim donne d'eau. Lorsque Ibrahim donne d'eau, sa femme Hajar va dire, Ibrahim, mais où vas-tu? Tu nous abandonnes ici, pourquoi? Ibrahim, où vas-tu? Ibrahim ne peut pas les regarder, il a la pitié. Mais c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il obéit à la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a confiance à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Ibrahim également, il avait une femme mu'mina, une femme pieuse. Cette femme-là aussi avait la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Ibrahim donne dos, sa femme lui dit, tu nous laisses ici, tu nous abandonnes ici pour qui? Qui va nous soutenir? Ibrahim donne dos, il continue. Et la femme dit, c'est Allah qui t'a ordonné, qui t'a demandé de nous laisser ici. Ah, Ibrahim va dire oui, c'est Allah qui me l'a ordonné. Alors la femme va dire, Ibrahim va, va-t'en, va, ne t'inquiète pas. Fa inna Allah lan yudayyana. Allah subhanahu wa ta'ala va veiller sur nous et nous n'allons pas périr ici. Alors Ibrahim alayhi salam est parti et le peu, n'est-ce pas, d'aliments qui était avec eux, les dattes, avec, n'est-ce pas, de l'eau qui était avec eux, va s'épuiser, va terminer. Il n'y a plus de nourriture avec eux. Alors en ce moment, l'enfant de Hagar, le petit Ismaïl, va commencer à pleurer. Il a faim. La maman n'a pas de quoi manger pour allaiter son enfant. L'enfant commence à pleurer. L'enfant commence à pleurer. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, Hagar alayhi salam? Elle va commencer à chercher la solution. Parce que c'est comme ça. Même s'il n'y a pas de solution, lorsqu'on est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On cherche toujours à trouver la solution. Souvent même lorsque tu es en difficulté, même l'air, hein, l'air est là comme ça, tu vas mettre ta main comme ça, hein, comme si tu vas attraper quelque chose. Alors elle a commencé à chercher. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait sur la montagne de Safa. Elle regarde, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle descend, elle va sur la montagne de Marwa. Elle regarde, elle recherche, elle repart sur la montagne de Safa. Et c'est ainsi qu'elle a fait combien de tours? Qu'elle a fait 7 tours. C'est 7 tours lorsque on va au pèlerinage. Obligatoirement, nous devons le faire lors des rites du pèlerinage. Lorsque Hagar faisait ces tours-là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, n'est-ce pas, vers la fin, Jibril alayhi salam, qui est venu, inshallah ta'ala, faire fondre une partie de la terre. Et à partir de là-bas, une eau bénie est sortie et cette eau a été l'eau des Zamzam. Cette eau a été l'eau de quoi? L'eau des Zamzam. L'eau des Zamzam qui est sortie là-bas, cette eau qui est devenue plus tard ou bien aujourd'hui, à partir de cet instant, l'eau la plus bénie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette eau, innaha mubaraka, innaha ta'amun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'eau des Zamzam est une eau qui est très bénie. Il dit, l'eau des Zamzam, c'est la nourriture pour celui qui a faim. L'eau des Zamzam, c'est le médicament pour celui qui est malade. Il y avait un sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Abu Dharr al-Ghifari. Un jour, ce sahaba, il s'est isolé dans la Kaaba. Il a fait près de 40 jours. Il est juste dans le milieu de la Kaaba. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Le prophète lui dit, où est-ce que tu étais? Il dit, j'étais aux alentours de la Kaaba. Il dit, mais tu mangeais quoi? Il dit, pendant tous ces 40 jours, je ne buvais que de l'eau des Zamzam. Zamzam, l'imashuribala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Zamzam, l'eau des Zamzam résout tout avec ta, lorsque tu bois l'eau des Zamzam, avec l'intention que tu as, alors subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, règle ce problème. Alors Hagar et Ismaïl, ils se sont nourris de cette eau. Ils le buvaient et cette eau prenait la place de la nourriture et ça prenait également la place de la boisson. Et nous allons terminer, inshallah ta'ala, en donnant des consignes. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite un jour et que vous arrivez à la Mecque, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite ici même à Pointe-Noire et que vous êtes en possession de l'eau des Zamzam, l'eau des Zamzam est une eau bénie. Ce n'est pas de l'eau comme Globaline ou bien Omayo. Lorsque tu bois l'eau des Zamzam, il y a, n'est-ce pas, des recommandations à respecter. Il y en a 6. Premièrement, lorsque on boit l'eau des Zamzam, il est recommandé de se diriger vers la Qibla. Lorsque je bois Omayo ou bien eau de Globaline, je peux le boire en regardant n'importe où. Mais avec l'eau des Zamzam, lorsque tu bois l'eau des Zamzam, fais face à
à la Qibla. Et lorsque on boit l'eau des Zamzam, lorsque tu as l'occasion, tu arrives à la Mecque, ne bois pas l'eau des Zamzam comme ça. Bismillah. C'est bon, non. Quand tu bois l'eau des Zamzam, tu bois jusqu'à ton ventre se remplit. Tu bois beaucoup. Tu bois beaucoup, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans ton ventre. Ça, c'est la deuxième recommandation. Troisième recommandation, lorsqu'on dit de boire beaucoup, ce n'est pas de boire aussi tôt, mais tu bois à trois reprises. Tu dis, bismillah, tu bois, tu reprends pour la deuxième fois, et tu reprends pour la troisième fois, inshallah. Après cela, lorsqu'on termine de boire l'eau des Zamzam, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On doit dire à la fin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lorsqu'on boit l'eau des Zamzam, on doit les boire. On se dirige vers la Qibla et on boit l'eau des Zamzam pendant que nous sommes assis. C'est très, n'est-ce pas, important. Et lorsqu'on boit l'eau des Zamzam, avant de boire l'eau des Zamzam, il faut dire toujours Bismillah. Et après avoir dit Bismillah, il y a une recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, a enseigné, que Ibn Abbas radiallahu anhu avait l'habitude de dire avant de boire l'eau des Zamzam, c'est de dire Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in. Je reprends. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in, ce qui veut dire Allah, je te demande de me donner une connaissance utile, je te demande de me donner, n'est-ce pas, une subsistance, la grâce immense, et Allah, je te demande de me donner la guérison à cause de cette eau contre toute maladie. Inch'Allah ta'ala, nous nous arrêtons ici. Après, n'est-ce pas, que ils ont eu l'eau des Zamzam, qu'est-ce qui s'est passé? Et Inch'Allah ta'ala, nous allons avoir la suite de cela au cours du cours prochain, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah de nous donner la bonne compréhension, qu'Allah guide nos pas, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.